Salutations à vous tous, chers amis, fidèles téléspectateurs de Congo Dialogue. Moi, c'est Josué Bolloa, l'international. Arrivant dans, chez vous, dans vos plateaux, dans vos maisons, dans vos tablettes, dans vos laptops, dans vos internets, dans vos chambres, dans vos bureaux, partout où vous êtes branchés, connectés, dans ces sites de bonne manière, www.congodialogue. Comme vous savez, ça c'est l'espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance rencontrent. En fait, cette plateforme, comme je vous dis souvent, que c'est une plateforme de découverte, d'éducation, de discussion, de formation ainsi que d'information. Ici, je suis à Cape Town, Western Cape, dans la cité de Cape Town, et précisément dans un quartier qu'on appelle Cape Point. Cape Point, c'est juste après Muizenberg. Ceux qui sont habitués de Cape Town le savent très bien. Alors, nous faisons un tour touristique pour faire découvrir comment la nature, comment Dieu a tant créé, n'est-ce pas? Comme vous allez voir dans les images, les montagnes, les vallées, les océans, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour découvrir que non. Et vous vous rappelez, ici, je suis vraiment devant en direct d'un endroit que nous avons étudié quand nous étions au pays, la Cape de Bonne Espérance. C'est ça, non, Martha? La Cape de Bonne Espérance que nous avons étudiée, là où les deux océans se rencontrent, n'est-ce pas? Comme c'est écrit. Ça, c'est l'entrée principale. C'est écrit Cape of Good Hope. Table Mountain National Park. À l'intérieur, là-bas, il y a le parc là où les gens viennent savourer, regarder les animaux, hein, tout ce qu'on avait étudié dans la, n'est-ce pas, dans la, c'est ce qu'est encore la leçon, zoologie, hein, n'est-ce pas, géographie, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très édifiant. Voilà pourquoi nous avons voulu vous proposer cette tour, n'est-ce pas, pour vous rassurer que non, ce qu'on a étudié dans la leçon de géographie, dans la botanique, ainsi que dans, je crois, la zoologie, n'est-ce pas? C'est ici l'endroit en question. Maman Francine Gembe, nous voulons faire voir nos amis qui nous suivent au travers le monde entier. C'est ici que nous appelons Cap de Bonne Espérance, donc à l'intérieur. Et ce qui nous a encore choqué, que ça c'est l'entrée principale, il y a presque après 5-3 minutes, il y a des voitures qui entrent. Et l'entrée s'est chargée, donc on charge le prix. Il y a un prix de participation. C'est écrit là-bas, les adultes payent ça 47 rennes. S'il faut évaluer cela dans notre monnaie en dollars, c'est presque 11 dollars selon le taux aujourd'hui. Ce n'est que c'est 11 dollars l'entrée. Et je vous garantis que chaque minute, chaque seconde, il y a des voitures qui passent ici. Vous entrez, vous pouvez passer peut-être toute la journée. Vous pouvez venir en famille, n'est-ce pas? Vous êtes en famille. Ta femme, ton mari et les enfants, vous pouvez entrer à l'intérieur, passer un peu du temps, comme le pique-nique, quoi, n'est-ce pas? Comme le pique-nique, vous passez le temps, vous pouvez préparer quelque chose à manger, à boire, et vous passez le temps à l'intérieur, vous allez passer un bon moment dans la famille. Et si vous êtes fiancé aussi, n'est-ce pas, vous pouvez aussi venir. Vous payez juste l'entrée, c'est plus ou moins 11 dollars. Vous entrez à l'intérieur, les enfants payent 76 rennes. 76 rennes, c'est presque, n'est-ce pas, 7 dollars, n'est-ce pas? Vous entrez avec la famille, vous passez le moment pendant toute la journée. Et à l'intérieur, là où il y a un frais aussi à payer, là vous allez entrer dans le parc. Parce que c'est mélangé, les lieux touristiques, il y a des restaurants à l'intérieur. Il y a des endroits que vous pouvez bien visiter. Donc, c'est ce que nous avons voulu vous faire voir. Et vous allez toujours garder votre souple. En dehors d'ici, je vais vous amener avec ma caméra. La caméra, nous allons visiter l'océan. Il y a l'océan, là où les deux océans se rencontrent. Donc, c'est presque nous sommes dans Sukamokili, comme on dit, nous sommes au bout du monde. Nous sommes vraiment au bout du monde, là où les deux océans se rencontrent. Là où il y a de l'eau chaude et il y a de l'eau froide et se rencontrent. Donc, c'est difficile de pouvoir voir cela. Mais c'est ça le mystère du Seigneur, c'est ça le mystère de Dieu. En regardant cela, on s'est dit, maman Francine Ngembe, que en voyant seulement la nature, quand vous voyez les vallées, vous voyez des montagnes, comment c'est superposé, hein? Il y a un classement là, donc l'homme ne peut pas faire ça. Je me demande, mais même s'il faudrait peut-être que le gouvernement sud-africain engage des travailleurs pour entretenir des rocs, ces pierres ici, ces rochers ici, comment ils vont commencer à payer? Donc ce sont des mystères. Comme vous remarquez, chaque minute, chaque seconde, des voitures viennent passer, il y a des gens qui passent, il est les après-midi, il y a le soleil qui sont là depuis le matin, n'est-ce pas, pour passer le bon moment en famille, regarder tout ça, contempler la Cape de Bonne Espérance que nous appelons en anglais the Cape of the Good Hope. Donc c'est l'un des objectifs de cette émission, pour faire découvrir ce que nous étudions dans nos cours, ce que nous apprenons dans des leçons, mais malheureusement, dans certains coins du monde, on étudie cela, mais n'ont pas le temps d'expérimenter cela. Donc c'est ça, je suis devant ici, il y a des gens qui passent, il y a des voitures qui passent. Ce qui m'a aussi impressionné, que
C'est un moyen aussi pour élever l'économie sud-africaine. Donc c'est vraiment un moyen. Je crois que dans certains pays, nous pouvons aussi y penser. On a des endroits un peu isolés, on a des espaces isolés. Pourquoi ne pas penser, n'est-ce pas, à créer des sites touristiques pour permettre aussi aux gens de venir passer le temps, hein, n'est-ce pas, parce qu'il y a des gens qui travaillent toute la journée, toute la semaine, de lundi à vendredi ou à samedi, ou de janvier jusqu'au mois de décembre, mais n'ont pas le temps. Mais si dans certains pays, dans certains que nous pouvons quand même avoir une idée, n'est-ce pas, Bissikweza pour l'Elewana, n'est-ce pas, pour créer quand même site mot touristique, et l'argent entre. Voilà pourquoi l'économie sud-africaine est toujours forte, parce qu'ils ont pu penser à créer des sites touristiques comme ça que nous étudions dans la géographie, nous étudions dans nos sciences, que nous n'avons pas expérimenté cela. Alors gardez votre soupe et je vais vous amener aussi à expérimenter l'océan. Vous allez voir comment les gens viennent passer des temps, n'est-ce pas? Même pendant les vacances, si vous pouvez faire aussi un petit tour et vous aimeriez que Bolo aussi vous accompagne dans votre tour touristique, nous sommes la bienvenue, nos numéros seront affichés dans vos petits écrans. Alors gardez votre souffle, n'est-ce pas? Nous allons continuer notre tour. Je demanderai à la caméraman de pouvoir avancer un tout petit peu pour un peu être rapproché, pour dire que non, il y a Photoshop, il y a Cap, il y a Bonne Espérance, ça c'est pas le Photoshop. Si vous avez Photoshop, mon ami Tougué, les KT. Et vous remarquez même Nambaplet, ça, c'est des gens qui sont venus de Djobou, ouais, le Nambaplet. Et ça, ce sont des gens qui habitent ici à Cape Town, ils sont loin. Donc, c'est à peu près une affaire de 130 km de Cape Town Ville. Donc, à peu près 130 km dans de Cape Town Ville. Si vous arrivez ici, vous allez expérimenter la beauté de la nature, la beauté de la nature. Et vous allez dire, non, réellement, Nzambe Aza Malamu. Donc, vous comprenez que ça, c'est le site de bonne manière qui vous apprend quand même à contempler ces bonnes manières. Alors, restez toujours penchés. On va continuer notre tour, vous faire voir l'océan, comment ça se passe. Merci. Oh, only you can change any situation after. Only you ever. That is so you want to. Ha! Let me sing for you. Nous sommes dans un tour touristique, nous visitons Cape Point. On a quitté Cape Point, là où je vous ai fait voir le Cap de Bonne Espérance qu'on a étudié au niveau de du pays, je crois la géographie. Et nous explorons un peu, nous savourons un peu la nature que Dieu a créée, n'est-ce pas? C'est très beau. Nous sommes juste tout près de l'océan Atlantique, n'est-ce pas? Alors je suis avec mon frère, monsieur Trésor Kabongo, venant de Johannesburg. Il est aussi venu explorer un peu la ville de Cape Town que je vais recevoir. Bienvenue, monsieur Trésor. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien, merci. Bon, on te voit ici à Cape Town, visiter un peu la ville en question. Comment vous trouvez ça? La ville de Cape Town, c'est une ville vraiment formidable. Il fait très beau ici. J'ai même l'impression de rester ici encore pour quelques jours. Mais malheureusement, les vacances se terminent aujourd'hui. Je dois rentrer déjà à Djobou. Mais c'est vraiment une ville formidable. Il fait très beau. Il y a le soleil, malgré qu'il y a un peu de froid à un moment. Mais il y a le soleil, il y a l'océan, comme vous le voyez. Et c'est très beau, c'est merveilleux vraiment. Dis-nous un peu, quand vous explorez l'océan, la ville, Cape Point, je crois que vous avez entendu parler de Cap de Bonne Espérance. Oui, aujourd'hui, vous avez expérimenté oui. Ça.
Oui, en fait, je crois que depuis qu'on est, c'est pratiquement, je sais pas, deuxième, troisième des humanités au Congo, où on étudie dans la géographie, en fait, on nous enseigne le Cap de Bonne-Espérance et l'endroit où les deux océans se rencontrent. Il y a l'océan Atlantique et l'océan Indien. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous avons été là, au Cap de Bonne-Espérance. Nous avons vu cet endroit-là, où les deux océans se rencontrent. C'est pas très visible. C'est un peu comme si vous mélangez l'eau chaude et l'eau froide. C'est pas très visible, mais il y a quand même une île là où on nous explique que c'est ici que ça se rencontre. C'est légèrement visible. On peut voir une différence des couleurs des deux océans, mais c'est pas trop visible. Mais c'est quand même quelque chose de merveilleux de voir cette géographie que nous avons étudiée pendant plusieurs années. Expérimenter ça face à face, c'est vraiment merveilleux. Ça fait partie de la grandeur de Dieu, de ce que nous disons que Dieu est grand, il est le créateur de l'univers, le créateur des eaux, de toutes choses. Et c'est vraiment merveilleux. Ouais. Vous êtes aussi serviteur des dieux, servant dans une église de la place. Quelles leçons pouvez-vous donner aux serviteurs qui nous suivent là-bas, premièrement, et puis deuxièmement, aux enseignants, au ministère de l'éducation de notre pays? Des fois, ils nous apprennent des choses sans pour autant avoir des matériels didactiques, Ah oui, sans pour autant expérimenter cela, n'est-ce pas? Mais vous, d'abord, en tant que Congolais, en tant qu'enseignant aussi de la parole, quelles leçons vous avez tirées? Quelles leçons vous aussi, messieurs, vous pouvez lancer aux prédicateurs? Souvent, lorsqu'ils parlent de Dieu grand, les montagnes, il y a de ceux-là qui prêchent les montagnes, mais n'ont pas encore expérimenté cela. Mais vous avez quand même le privilège, la grâce d'être là. Vous expérimentez les montagnes, vous avez vu l'océan Atlantique que nous voyons dans des cartes, mais on a expérimenté cela. Quel message vous allez donner? Merci beaucoup. Premièrement, le premier message que je pourrais lancer, c'est par rapport à la culture, par rapport au tourisme. En venant ici, je peux voir que le tourisme est une source de revenus très, très, très grande, très importante pour une nation. Et vous allez voir qu'il y a des milliers de personnes partout où nous sommes passés. C'est payant. C'est-à-dire qu'on peut voir une portion de terre, pour voir l'eau naturelle que Dieu a créée, il faut payer. Et cela génère des ressources ou des finances pour la nation. Et on peut voir qu'il y a des millions, si vous essayez même de faire un calcul à la foulée, vous allez voir que c'est des millions qui entrent et cela contribue au développement du pays. Et personnellement, je pense que le Congo est un pays merveilleusement béni par le Seigneur. Moi, personnellement, j'ai grandi au Congo. Je sais qu'il y a beaucoup, il y a plus que ce que nous voyons ici en Afrique du Sud. C'est vrai, l'Afrique du Sud est un pays particulier. Il y a beaucoup de particularités. Mais le Congo aussi est un pays très, très particulier. C'est-à-dire que nous pouvons utiliser les ressources naturelles que le Seigneur nous a données pour développer ce pays, pour amener ce pays de l'avant, où les gens peuvent venir de partout, partout le monde. De partout pour venir visiter le Congo et cela sera une source de revenus pour ce pays. Et deuxièmement, par rapport aux serviteurs de Dieu, si je peux le dire, c'est des endroits comme ça qui vous permettent de confirmer la réalité de la Bible. Vous voyez, il y a les hommes de science qui nous parlent de l'évolution, beaucoup tant de choses que nous avons étudiées, mais la réalité est qu'il y a un Dieu qui existe. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole et cette parole est devenue chair. Cette parole, c'est Jésus. Et sans Jésus, il n'y a pas de vie. Et je crois qu'en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que nous pouvons prêcher, mais il y a des choses aussi quand nous voyons, nous avons une compréhension différente. De voir que dans le livre de Genèse, par exemple, où Dieu, dans Genèse 1, où Dieu parle aux eaux, il demande aux eaux de se séparer, il divise les eaux qui sont en bas, les eaux qui sont en haut. Nous pouvons voir que ces eaux que nous voyons, ce sont les mêmes eaux à qui Dieu a parlé plusieurs années. Et par là, nous pouvons apprendre plusieurs leçons, que le Créateur de l'univers existe et qu'il est réel. Et aussi, en temps de en ce qui concerne le divertissement, je crois qu'il est important aussi pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens, de prendre du temps. Des petites vacances, ça fait du bien, ça vous permet de vous rafraîchir. Les dirigeants des chorales, les chantres,
les pasteurs, les modérateurs, les intercesseurs, les secrétaires, tous ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur. Je crois qu'il y a un moment où vous devez vous retirer un tout petit peu, se divertir un peu, prendre de l'air. Ça vous rafraîchit, ça vous renouvelle, c'est vraiment bien. Vous allez voir que dans la plupart des endroits où nous sommes passés, il n'y a que des blancs. Vous vous posez la question de savoir où sont les noirs, vous voyez. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons développer aussi, non seulement en tant que serviteur, en tant que chrétien, mais en tant que noir, vous voyez. Ces endroits nous appartiennent, ça n'appartient pas seulement aux blancs, mais c'est des endroits où nous pouvons venir nous divertir et prendre un peu de l'air, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis avec Monsieur Trésor Kabongo, nous sommes très ravis. Nous réfléchissons ensemble à tous nos amis téléspectateurs branchés sur congodialo.com. Nous réfléchissons un peu comment cela s'est fait. Quand tu vois que ce n'est pas un travail d'un jour, tu vois. Et quand je regarde notre pays, nous avons des espaces dans lesquels nous pouvons quand même faire ce que les Sud-Africains ont fait. Plus que eux. Et quand vous remarquez qu'ils sont entourés de l'eau, de l'océan, mais ils développent chaque fois, chaque jour, chaque mois, partout nous passons. Et quand vous regardez des constructions, ce sont des constructions nouvelles. Oui. Et pourquoi pas dans notre pays pour aussi exploiter cela, hein? Ils ont des eaux, ils ont de l'océan, mais sont allés payer bandakouza, bandakou basali. Mais bisopetosa la richesse moka makasi. Mais nous ne voulons pas exploiter cela. Est-ce qu'il y a un message qu'on peut donner à nos ingénieurs, à nos savants qui terminent à l'Académie des Beaux-Arts, ainsi de suite, de venir faire un tour ici et puis avoir quand même une connaissance? Oui, au fait, je pense que les ingénieurs, nous les avons, les savants, nous les avons. Je pense que le problème du Congo, ça vient de la tête, au fait. Vous savez, quand la tête ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui ne fonctionne pas, c'est tout le corps qui est malade. Je crois que le plus grand problème du Congo, c'est la gestion, la vision même dans la gestion. C'est-à-dire, la plupart de personnes que nous avons, la plupart des dirigeants que nous recevons... Un message clic, rec, né? After 15 minutes. Il y aura un message là, tu appuies seulement les rec. La plupart des dirigeants que nous avons, ils vivent pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intérêt de la nation, ils n'ont pas l'intérêt du peuple. Vous allez voir qu'ici en Afrique du Sud... Tout le temps que nous avons passé ici à Cape Town, il y a un problème d'eau. C'est-à-dire que malgré l'océan qu'ils ont, ils ne peuvent pas utiliser cette eau pour rendre l'eau potable. Et l'Afrique du Sud n'est pas un pays riche en eau naturelle. Ils n'ont pas les sources d'eau naturelle. Mais quand vous allez au Congo, vous allez voir que le Congo est un pays très riche. Vous trouvez de l'eau partout. C'est-à-dire que le Congo peut exploiter. Cette eau-là peut être vendue à l'Afrique du Sud. Il y a plusieurs autres pays qui souffrent d'eau. D'eau potable, d'eau naturelle. Alors, je pense que le problème du Congo, c'est un problème de gestion, un problème de gouvernance. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête doivent ouvrir les yeux. La plupart de ces politiciens, ils viennent dans des pays comme ça. Ils savent ce qui se passe, ils peuvent copier, ils peuvent voir. Mais le problème, c'est le cœur. C'est-à-dire que le cœur des dirigeants doit changer. C'est-à-dire qu'ils doivent voir l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple. C'est-à-dire que ce Congo peut devenir aussi un pays non seulement potentiellement riche, mais sur le plan pratique, nous pouvons aussi être l'un des plus beaux pays du monde, où les gens viennent voir, visiter, et où le peuple congolais peut se réjouir des ressources naturelles que Dieu nous a données. Je pense que c'est un problème qui vient plus à la tête. C'est-à-dire que si la tête est réparée, je pense que tout le reste va couler. Tout le reste va couler. Je demanderai à la technique de pouvoir avancer avec nous. Hein, Monsieur Trésor, on descend un peu là, parce que les gens pensent que Toza, toi qui t'as bien à Siawa, toi qui t'as type bien à ma bangawana. Donc on est vraiment en plein tournée. Déjà Photoshop, t'es. C'est pas vraiment une Photoshop. Nous sommes vraiment en plein tournée. Ça, c'est là où la réflexion, la connaissance se rencontre. Madame Francine Ngembe, vous comprenez que Toza Likola Mabanga, permettez tout Kitanama Msekuna, on est presque à côté de l'océan. Viens. Juste pour dire que Mabanga Onde Nzambe Akila Yango, et puis Baplaso, ils ont exploité cela parce qu'ils ont utilisé la tête, comme vous avez dit. Ils ont utilisé la tête. Si vous regardez, il y a des maisons qui sont construites. Même si vous allez à Six Pointes, ce sont des endroits touristiques. Ils ont construit. Ils ont utilisé leur tête. Et puis, il y a un groupe de gens qui se sont sacrifiés
pour que ça soit tel que nous voyons aujourd'hui. On est presque à côté de l'océan Atlantique, comme vous voyez dans des images. Monsieur Trésor, avant que nous puissions terminer notre entretien, notre réflexion, y a-t-il un message que vous voulez donner aux jeunes gens d'ailleurs, d'abord, qui peut-être ils apprennent la géographie dans des papiers, mais ils n'ont pas le temps de pouvoir venir expérimenter cela. Quel message pouvez-vous leur donner? Ouais, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est bien étudier. Arriver à un moment où vous allez visiter ces choses que nous étudions. Bon, au Congo, en fait, quand tu as grandi au Congo, il y a des choses qui ne sont pas... Ce n'est pas un mystère. Nous avons le fleuve Congo, qui est un fleuve vraiment merveilleux. Vous pouvez visiter la géographie, mais bon, si vous avez la chance de sortir, d'aller dans un autre pays comme l'Afrique du Sud, c'est aussi merveilleux, vous apprenez plus. Comme par exemple le Cap de Bonne Espérance, il n'est pas au Congo, il est ici en Afrique du Sud. Donc, si vous avez l'occasion de préparer des vacances, n'hésitez pas. C'est un endroit merveilleux, vous pouvez visiter et apprendre certaines choses. La géographie de l'Afrique du Sud, l'économie de l'Afrique, comment il fonctionne, comment ce peuple, c'est un peuple noir comme nous. C'est vrai, il y a des blancs, mais c'est un peuple noir. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé aussi. Avec les blancs, ils ont travaillé. Ils ne se sont pas concentrés à s'enrichir seulement. C'est-à-dire, c'est un message que nous lançons aux jeunes qui peut-être un jour pourront se retrouver dans certains postes du gouvernement. C'est-à-dire, quand vous vous retrouvez à cet endroit-là, comment vous pensez? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'objectif de la nation? C'est quoi? Est-ce que c'est s'enrichir? Avoir des voitures? Ou c'est l'intérêt de développer le pays, développer l'économie, le tourisme, le social, l'éducation? C'est-à-dire que le Congo devient une nation forte, pas sur le plan potentiel, mais sur un plan pratique. Vous voyez, c'est pourquoi nous comptons sur la jeunesse et nous pensons que la jeunesse, c'est l'avenir du Congo. Nous pensons qu'il y aura une nouvelle génération de personnes qui ne pensent pas à leur poche, comme ils disent, Nalia Yopolia, Natournanga, tu vois, mais plutôt des gens qui disent l'intérêt à Mboka, l'intérêt de la nation, Mboka Liboso, l'intérêt personnel, Nabiso Nassima. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Une citation à tes connaissances. Je ne serai pas injuste. Je salue tout le monde. Tous ceux-là qui vont me reconnaître, ma famille, mes amis. Voilà, tous ceux qui vont me reconnaître pour éviter d'être injuste et de citer quelques personnes et d'oublier certains. En général, je salue tout le monde. Je salue tous les Congolais, tous les Sud-Africains, le peuple de Dieu, tous ceux qui vont me reconnaître. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine, cela m'amène à la fin de mon entretien. Avant de nous libanga oyo. Avant nous libanga. Martin a bien. Avant de nous libanga. Je crois ça doit être les crevettes, hein. Ou comment on appelle ça? Mbembe. Voilà, ça pourrait être pour Mbembe, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que ça, le sable de l'océan, maman Francine Ngembe. Ça, c'est le sable de l'océan. Donc, ça, c'est juste une émission pour la culture générale, pour nous apprendre que nous pouvons faire mieux que ces pays. Parce que nous avons une grande richesse. Nous avons des hectares et des hectares. Nous avons des places où le fleuve Congo passe, Matadi, Mbujima et tout ça. On peut exploiter cela. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud fait beaucoup d'argent. Juste quand on a plein d'espérance là que nous avons vu, ils font beaucoup d'argent. Si vous allez vers Table Mountain, ils font beaucoup d'argent, c'est presque 20 dollars pour Matarana, ma machine. Quand vous entrez dans Waterfront, là où il y a des boats, il y a des bateaux, les tours en question, c'est presque 15 dollars juste pour une heure. Alors combien de touristes passent chaque minute, chaque seconde? Vous comprenez que notre pays peut faire mieux et vraiment que Dieu nous aide et Dieu aide aussi la génération à venir. Comme M. Trésor a dit, jeunesse sur aux yeux Bokondi, pour comprendre les peuples Kanisa. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont venus avant nous, ma période à Mobutu, des ministres qui sont en place. Maintenant, ils viennent aussi visiter cet endroit ici. Mais nous demandons et puis nous déplorons, peut-être, je ne sais pas, la bonne volonté ou pas, on ne sait pas. Mais nous demandons quand même que nous puissions cultiver notre terre. On peut faire plus que ça. Donc, Mbongozo Bimara na Cap. Il y a bonne expérience, Wana, je ne sais pas, ça peut fournir ministère Mokoboé. Alors nous au Congo aussi, nous pouvons faire plus que cela. Alors nous vous conjurons, si vous voulez aussi faire passer des passages en Afrique du Sud, si vous voulez visiter cet endroit,
Voilà, nos numéros sont dans le petit écran. Je crois j'ai aimé la réaction de M. Trésor Kabongo. Pensons à cela et réfléchissons. Et Congo peut faire plus que l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Parce que richesse, c'est à Makassi. Richesse, c'est à Makassi. Tala, Bambembe, Mbembe en haut. Donc, on a Zali Kola Libanga. Je suis presque à la fin. Grand merci à vous, grand merci à Trésor ainsi que Maman Mireille. Grand merci à Marthe qui nous a soutenus dans la caméra. Donc, c'est ça. Et la conversation continue. Nous aurons à vous faire voir encore des grands, grands tours touristiques pour que vous puissiez savourer aux amants pépé, l'homme des dieux, prier moi, mouké, yarapé, ou yokotambola, il y a un problème. Depuis Bandara, vous parlez la langue, Bandara, j'ai invité des sambes, carababa, yogumoga na chère, tes oies, mon potiki, pasteur, msoubatea, tu prends quand même le temps, tu viens de se divertir, avoir un peu le fraîcheur, Dieu peut t'inspirer. Mamsoutote, parce que tu es baraté, mais quand tu te promènes comme ça, tu as quand même le temps de voir la grandeur des dieux, les rochers qui sont là, ma bangwa minene. Donc, ça réellement, c'est l'océan Atlantique. Moi, c'est Josué Bola International. Facebook, c'est Josué Bola. On se retrouve à la fois prochaine pour un prochain numéro. Merci.